Zoom sur la 20e édition de la Fête du Livre de Soulac-sur-Mer. Ça se passe les 28 et 29 octobre au Palais des Congrès. Direction Soulac, à la rencontre de Catherine Haas, présidente de l'association Écume.doc, organisatrice de l'événement. La Fête du Livre de Soulac-sur-Mer, ce sont deux journées de festivités, le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre, qui se déroulent au Palais des Congrès, où nous recevons 40 auteurs répartis sur 11 stands, dont deux librairies, les deux librairies sous la caisse, la librairie de Corinne et la librairie de l'Oncle Tom. Nous avons décidé de faire l'ouverture avec une conférence de Jean-Pierre Gauffre le vendredi 27 au soir à 20h30 à la salle Notre-Dame. Jean-Pierre Gauffre a choisi le rire comme arme de résistance. Le samedi aura lieu une inauguration à 11h30. Après cette inauguration, le salon sera officiellement ouvert. La littérature jeunesse est à l'honneur. Pour vous citer quelques noms, je vous dirai Valérie Delator, Mathieu Siam, Pascal Moisset et seulement le dimanche, Camille Piantanida. Pour les adultes, nous recevrons Catherine Poulain, Ixchel Delaporte, Chantal Detchery, Jean-Pierre Gauffre. Et cette année, nous avons une auteure qui sort son premier livre chez Plon et qui fait donc sa première rentrée littéraire, c'est Marie Lassire. Marie Lassire avait d'ailleurs rencontré Éric Holder. Elle a séjourné dans le même village et elle a eu l'occasion de le croiser à maintes reprises. Des écrivains régionaux, spécialistes de l'histoire du Médoc, nous présenterons un livre qui parle des Allemands qui ont choisi la France comme lieu de vie et qui se sont installés dans le Médoc, et qui nous présente un livre bilingue écrit à la fois en français et en allemand. Il y aura deux conférences, samedi après-midi à 15h avec Madame Detchery de l'Estuaire au désert, et le dimanche après-midi à 16h30, Perrine Ostry présentera Quand le corps parle. Il y aura quatre ateliers. Deux auront lieu le samedi, organisés par Mathieu Siam, sur le thème « Dans l'atelier du douanier Rousseau ». Et le dimanche, le premier atelier sera animé par Pascal Moisset, des jeux de mots rigolos pour les 5-7 ans. Camille Piantanida proposera le dimanche après-midi une fresque participative sur le thème du jardin partagé. Nous vous attendons nombreux au Palais des Congrès de Soulac-sur-Mer pour cette 20e édition qui aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. N'oubliez pas le vendredi 27, la conférence de Jean-Pierre Gauffre. Le rire, arme de résistance. Okay. Hey,